Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je voudrais ouvrir un compte bancaire courant. Pouvez-vous me renseigner, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Pour cela, vous devez apporter un justificatif de domicile, comme une facture d'électricité ou bien de téléphone. D'accord, pas de problème. Ce n'est pas tout. Il faut aussi une pièce d'identité, qui peut être la carte d'identité nationale ou le passeport, si vous êtes étranger. C'est parfait. Et quel est le délai pour avoir une carte bancaire? Après 3 semaines de l'ouverture du compte, vous aurez votre carte bancaire. Je vous remercie. Je vais revenir demain avec tous ces documents. Je vous en prie, monsieur. À demain. Laurent, salut. Ça fait longtemps. Eric, bonjour. Oui, comment vas-tu? Très bien, et toi? Moi aussi, je vais bien. Je suis venu me renseigner sur les documents nécessaires pour ouvrir un compte courant. Moi, je suis venu me renseigner sur les pièces nécessaires pour une demande d'emprunt. Tu vas lancer ton propre projet? Non, pas du tout. En fait, ma fille souhaite continuer ses études supérieures au Canada. Et je veux l'aider. Oh, c'est bien. Financer les études de son enfant est le meilleur projet qu'on puisse faire. Absolument. J'espère qu'ils vont accepter ma demande. Je l'espère aussi. Bonne chance. Je te remercie. Maintenant, je dois te laisser. J'ai un rendez-vous avec Monsieur Bruch, le conseiller bancaire, et... je ne veux pas être en retard. D'accord. À un de ces jours. Au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Eric Robert et j'ai un rendez-vous avec Monsieur Bruch. Veuillez patienter, je vais l'informer. Bien, je vous remercie. Monsieur Bruch est occupé pour l'instant. Veuillez attendre, il va vous recevoir. Dans 5 minutes. D'accord, pas de problème.
Monsieur Robert. Bonjour. Je m'excuse pour le retard. Bonjour. Oh, ce n'est pas grave. Veuillez vous asseoir. Je vous remercie. Alors, je voudrais obtenir un prêt bancaire. Dans quel objectif ? Je souhaite financer les études supérieures de ma fille, qui veut les poursuivre au Canada. Je vois. Dans ce cas, vous pouvez opter pour un prêt de consommation. Quels sont les documents nécessaires à fournir ? Alors, il nous faut une photocopie, recto verso de votre carte d'identité. Et, aussi une photocopie, des trois derniers bulletins de salaire, si vous êtes salarié. Sinon, une photocopie, du dernier avis d'imposition. Et, au bout de combien de jours, est-ce que je peux avoir une réponse ? Le traitement du dossier dure généralement 7 jours. Donc, vous aurez votre réponse après 7 jours du dépôt du dossier. Je vous remercie pour toutes ces informations. Je reviens vous voir une fois le dossier est complet. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Julien Broche, à l'appareil. Que puis-je faire pour vous ? Bonjour, je m'appelle Catherine Martin. Ma carte bancaire expire dans 20 jours. J'appelle pour vous informer que j'ai changé d'adresse. Bonjour Madame Martin. Veuillez me donner votre nouvelle adresse, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. 17 rue Victor Hugo, 13 000 Marseille. Très bien. Ne vous inquiétez pas, votre nouvelle carte vous sera envoyée par poste à cette adresse. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. Bonne journée.